un jour pour toi à l'école, pour piquer son maître. Oui, pour piquer son maître. Mais il a été délivré. Les parents m'ont abandonné, entre nous-mêmes. C'est nous qui l'avons pris en charge, la nourriture, tout. Je suis en train de vous parler à son papa, pour venir le chercher parce qu'il a fait la rentrée. Il s'est senti négocié, mais je crois qu'aujourd'hui va venir, pour qu'on puisse vraiment suivre l'enfant. On va dire à son papa de lui prendre en charge. Si son papa ne veut pas en prendre en charge, on va le convoquer. Parce que l'enfant a droit à la vie. L'enfant a droit à l'éducation. Voilà. Là, tout à l'année, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai réglé un problème comme ça. Son papa aussi était policier. À coup de la... Vous l'envoyez, vous envoyez les enfants. Je le... C'est pas nous, hein. C'est ton Dieu qui envoie l'enfant. Quand on le délivre, il ne croit pas à la délivrance. Mais vous l'avez, vous l'avez envoyé, non, on l'a délivré. Vous devez le reprendre. Donc l'enfant, la délation nous charge. On lui donne à manger, c'est lui déjeuner. Parce qu'il a besoin d'affection. Il a besoin d'amour. Un enfant a besoin d'entourer les choses. C'est pas ça? Si est-ce qu'on ne donne pas frapper? On donne à manger, non? On parle la bouche. On donne à manger. Tu manges combien, combien de jours? Combien de fois? Tu manges combien de fois? Tu manges combien de fois? Matin? Attends, compter. On ne sait jamais où. Tu manges 6 fois dans la maison là. Tu manges combien de fois? Hein? 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 Matin? Attends, allons-y. Ah, il prend la nuit. Il a dit, la nuit, là, c'est facile, madame. Après, il a vraiment dit, il ne mange pas pour la nuit. Ça va, je suis à l'aise ici. Hein? On parle, hein. On t'a donné habit, non? On lui a même donné habit. On l'a pris, oui, si, si. Il avait plein d'habits. Il avait un t-shirt avec un caleçon. Il dit, jette ton coudon là, jette ça, jette. On l'a habillé. Mais l'enfant a droit à ça. Même s'ils sont sortis, il faut les entourer, il faut les délivrer. On l'a délivré. Son papa m'a peur de venir le prendre. Non. Puisque c'est toi qui l'as envoyé. Il était là-bas, il était sorti. Il l'a envoyé, on l'a délivré, il le reprend. Parce qu'il a droit à l'éducation, il doit fréquenter. Il a rentré. Nous sommes en pour parler. Si son père n'a pas les moyens, nous allons l'aider. Pas une prise en charge. Moi, l'aider. Mais je vais suivre ça. Le jour où il maltraite l'enfant, il me verra sur son chemin. C'est pas toi. C'est pas l'enfant, c'est toi qui a fait, il est venu. Il est sorcier, il faut le prendre. Maintenant qu'il a été délivré. Amen. Amen. Voilà, c'est pour dire qu'ici, nous prenons soin des enfants. Nous ne maltraitons pas les enfants ici, non. Et si un enfant dit qu'il tue, il faut le désarmer. Parce que demain, il va te manger. Le fait de dire qu'il tue, ça, ça n'a pas forcé. Mais l'enfant a besoin de délivrance. Souvent qu'on arrache les aveux aux gens, les gens parlent de matraque. Non, ne matraque pas d'enfants ici. On vient de recevoir plusieurs valises d'habits. Le vendredi, le ministère donne des cahiers, des stylos officiellement aux enfants, les élèves de Sarocco. C'est pour dire que nous suivons les enfants. Ce sont eux qui sont la relève de demain. Mais s'il dit qu'il tue, il faut les délivrer pour ne pas qu'il tue en deux les gens. Mais c'est comme ça. Passons, il y a les grandes personnes sorcières, il y a les enfants sorciers. Vous m'écoutez là, c'est vous qui me blâmez sur le net. Ah, le prophète Crasso, il battait les enfants, je n'ai jamais maltraité un enfant. Souviens-toi, agent du diable, soyez délivré. Parce qu'ici, encore du voir, ça, on souffre ici. Les gens tuent. Vous ne parlez pas de ça. À l'ouest, là-bas, les gens tuent des gens ici. Vous ne parlez pas de ça. Ils ont tué les gens devant qu'on appelle l'hôtel Ivoire. Vous n'avez pas parlé. C'est que c'est fermé. Ces petits enfants, ils sont allés les délivrer. Là, vous trouvez qu'il y a un problème avec vous. Allez à l'essentiel. Il y a des gens ici qui tuent les gens. Vous ne dites rien. Que Dieu nous aide. Levez les mains. Prions ensemble le Seigneur. Demandez au Seigneur de nous bénir et de bénir la journée. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons merci de notre tout ce que tu viens de nous faire pour tout ce bien. Merci encore pour la délivrance que tu as encore dans chacun d'entre nous. Délivre-nous encore davantage, notre Dieu. Sois toujours avec Dieu, avec Jésus-Christ, Seigneur. Grand éternel, fais toujours oreille, notre Dieu, à cette place en Jésus-Christ. Et aide-nous, avec Dieu, à résister, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu nous as fait ce matin. Merci pour cette journée qui est bénie au nom de Jésus qui est prié. On dit Amen. Amen.